Et voilà, je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce live peinture tuto pour une figurine un peu spéciale, hein, le Scarlet Scourge qu'on va essayer de peindre. Déjà, première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Karji et Francis qui sont avec moi? Bonsoir à tous. Salut. Le son est bon. Bon, déjà, vous m'entendez moi, donc j'espère que vous les entendez eux. Apparemment, YouTube me dit qu'il y a des petits problèmes de flux, donc j'espère que ça va aller, hein, mais bon. Donc, ce soir, soirée un peu particulière parce que notre ami Hervé, eh bien, a commandé une figurine que j'ai trouvée assez belle, donc j'ai dit, bah, si tu veux, je la peins. Et du coup, bon, voilà, on s'est arrangés tous les deux. Et du coup, eh ben, je vais vous la peindre ce soir et sans doute lundi prochain, parce que je pense qu'il me faudra de live vu la taille de la figurine. Bon, bref. Donc c'est une figurine qui a été, enfin, c'était un fichier 3D à la base que j'ai fait imprimer par Torek et eh bien on va la voir tout de suite. Voilà. Donc c'est un buste d'un vampire qui tient une autre créature dans son bras. Alors on ne sait pas ce qu'il va lui faire, hein. On ne sait pas si s'il va le torturer, s'il est en train de lui faire un câlin ou bon voilà. On ne sait pas trop aussi, peut-être que genre ils sont siamois ou je sais pas. Bon, c'est un peu au niveau de la sculpture, c'est pas super compréhensible, mais bon, on va le traiter comme étant deux figurines différentes, donc voilà. Enfin, ce buste, oui, donc fait environ, bah, si je mets ma main à côté, allez, on va dire une bah, attendez, je dois bien avoir une règle quelque part. Ah, voilà. Hein. Donc c'est une grosse impression 3D quand même. Et eh bien, hop. Voilà, on est environ à 12 cm de haut. Ce qui est déjà une bonne taille de figurine. Et puis, bah, comme d'habitude, pour traiter cette image, eh ben, je vais partir sur un schéma de couleurs. Donc pour ça, eh bien, j'ai été chercher des images. Alors, par contre, attendez, hop. Voilà, ça sera mieux. Hop, si on voit tout. Voilà. J'ai été chercher des images, donc, dont une image du fameux Scarlet Scourge. Et puis d'autres images de vampires pour voir un peu, eh bien, dans l'imaginaire fantastique, comment était représenté ce type de personnage. Il y a deux choses qui m'ont frappé, je sais pas pour vous, hein, mais à chaque fois il y a une espèce d'ambiance de lumière dramatique, donc surtout renforcée, je dirais, par des rouges, des violets, enfin ce genre de choses, et un travail de la peau qui est quand même assez particulier, puisqu'on n'est pas du tout sur de la peau humaine classique, mais plutôt une peau un peu humaine bleutée, palichonne, voire très dark entre guillemets. Donc voilà, bah, on va essayer de travailler ça aussi. Et je répondrai après. Donc voilà, on va travailler ça sur ce buste de façon à rendre, eh bien, ce visage peut-être un peu plus proche, on va dire, de quelque chose comme celui-ci à gauche ou comme celui-ci. Sans doute un peu moins, parce que là il fait vraiment très beau gosse, et on va dire que là la beau gossitude sur le buste, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est un peu moyenne, hein. Je pense quand même qu'on va lui faire les yeux rouges ou un peu rouge orangé, enfin, etc. Un rouge très puissant. Par contre, je pense que je vais lui mettre la petite gemme là-haut, bah, soit rouge, soit verte. Je ne sais pas. Et puis on va jouer un peu avec ces pustules là, parce que bon, il y en a quand même beaucoup. Je trouve que ça serait dommage de ne pas en profiter. On va aussi traiter, eh bien, cette couronne. Hein, on va traiter des chicots pourris. Une langue un peu défoncée, voilà. Et puis le reste, bon, un tissu, rien d'extraordinaire, mais voilà, des petites cornes, des pics, des cheveux, et puis une espèce de pierre pour le socle, donc pour le pentagramme là, où on va donner un petit effet sanguin Je pense que ça va être assez sympa. Atlas. Ça y est, toi aussi tu fais de la pub pour AK. Qu'est-ce que je... Là je vois une question sur la Scale 75. C'est une très bonne peinture, un petit peu délicate à maîtriser au début parce qu'elle est très huileuse, très pâteuse, voilà. Mais sinon très mate, donc forcément très bien. Il y a une bonne gamme de peintures, c'est plutôt constant, mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup moins fluide que la AK pour un rendu à peu près équivalent. Donc, j'ai pas dit bonjour. Donc, bah, déjà, bonjour Francis et bonjour Cargé. Sinon, Atlas Miniature qui est là, Masked Painter, Mon Lolo, Patrick Marin, Ours Titoff, Bénédicte, qui est très productive en ce moment. Salut Cyril Van der Brand, qui était en stage avec moi dernièrement. Là, on a peint une petite elfette. Plutôt sympathique, et j'ai vu que tu t'as posté la fin sur le Discord, encore bravo. Et puis bah salut Hervé, parce que bon quand même c'est un peu grâce à lui qu'il y a la figurine, donc et puis salut Silla. Bon. Et bah, du coup Francis, t'es pas t'es modo sur le Discord mais pas sur le... Il faudrait que je répare cette erreur. Et salut Richard Hudier. Bien, allez, on va tout de suite passer à la figurine. Si j'enlève ça, c'est mieux en même temps. Hop, et ah mince, j'ai pas rempli mon verre d'eau. Donc tant pis, vous allez entendre des glouglous, mais c'est juste que avec de l'eau, ça sera plus pratique pour peindre. Avant de commencer, déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au buste, par rapport à ce type de peinture? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous fait peur, vous laisse de marbre, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Je répondrai à toutes les questions, bien sûr, et ou au pire, on me les relaiera. Alors, toc, 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 toc. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Dirty Red. Toc. Déjà, parce que j'ai changé un peu le setup. Donc déjà, est-ce que vous voyez bien la figurine? Parce que bon, c'est quand même important. Et donc, les bus me laissent de marbre, mais c'est dur à peindre le marbre. Oui, avec un effet marbre. Ouais. J'ai une question sur la sous-couche. Alors justement, j'y arrive. C'est une approche différente, oui, tout à fait. Surtout que j'en ai commandé un avec mon style de peinture habituel, ça sera pas pareil. Bon. Quelques bustes de vampires. Alors, on va revenir juste 30 secondes sur mon image de départ. Du coup, eh bien voilà. Mon schéma de couleur, il est là. Donc, je vais avoir du rouge, un bordeaux foncé. Hein, voilà. Suivi d'un violet, suivi d'un gris bleu, d'un gris clair et d'un presque blanc, mais pas blanc, hein, surtout pas blanc. Donc voilà. Du coup, eh ben, sur la figurine, ça va donner. Pourquoi j'ai ça? Hop, décidément. Donc, je vais avoir un Dirty Red, donc gamme AK. Hein. 11 085. Je vais ensuite utiliser un Purple, un Royal Purple de chez Game Color 72 016, un Grey Blue de AK 11 165, un Snow Blue 11 174 et un 11 003, un White Grey. Alors tout ça va être complété effectivement par d'autres couleurs, d'autres peintures, des rouges plus rouges, des gris plus verts, des blancs plus blancs, enfin bon, etc., etc. Pour me permettre de donner toutes les différentes teintes et les différentes subtilités eh bien, que je veux donner à cette figurine. Donc cette figurine, comment est-ce que je l'ai préparée? Bah, j'ai commencé par faire sous-couche noire, bien sûr, total, hein, un petit zénital en gris clair. Et ensuite, je suis venu à l'aéro, donc avec mes trois couleurs, c'est-à-dire mon Dirty Red, mon Snow Blue, enfin mon Grey Blue et mon Snow Blue, reprendre un peu le zénital pour créer trois zénitales. En fait, j'ai créé un adiral donc par le dessous avec mon rouge. Donc vous voyez que effectivement le dessous est très rouge. On verra qu'on pourra peut-être le foncer un peu, mais voilà, ou l'éclaircir. Enfin bon. J'ai ensuite fait un zénital par la gauche avec mon Grey Blue et un autre zénital avec mon Snow Blue par la droite. Ce qui fait que le côté droit est plus lumineux que le côté gauche. Hein, j'espère que ça se voit à la caméra. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas, mais bon. Bien évidemment, j'ai repris aussi mes ombres à certains endroits avec mon violet, donc un purple, avec mon Royal Purple, pour faire des transitions en fait entre mon rouge et mon Grey Blue. Du côté du zénital plein, c'est-à-dire du Snow Blue, pareil. Donc ça me permet comme ça d'avoir une transition entre mes parties violettes, enfin rouge, puis violette, et ensuite mes deux bleus, mes deux gris bleus différents. Donc par exemple sur le visage, ben, on voit que sur la gauche là, il est plus sombre que sur la droite. Enfin, j'espère que vous voyez. Voilà. Et tout ça, eh bien, en faisant ça en zénital, donc sans faire tourner et sans bouger de partout. À l'aéro parce que c'était plus simple que de le faire à la sous-couche en bombe, mais à mon avis c'est tout à fait faisable avec une sous-couche en bombe. Donc voilà. Est-ce que ça répond à... C'est bon là, du coup c'est fini. Bah non, peut-être pas. Hein. Ça manque un peu de violet. Chez AK, bah un violet sombre, mais bon ça après. Oui, tout à fait aussi Atlas, avec un petit Druchi violet, ça booste un peu. Je pense que c'est top pour s'entraîner sur des techniques. Oui. Et puis le fait de changer d'échelle aussi apporte aussi beaucoup de choses. Ça permet souvent d'utiliser des techniques qu'on n'utiliserait pas forcément sur de la figurine en 28 mm, quoi. Oui, chez Scale, mais chez Valero aussi, il y en a des très bien, ouais, tout à fait. Bon, alors, d'après vous, quelle est la première chose qu'on va faire, eh bien, sur notre buste? J'aime bien vous poser cette question-là, parce que, en général, vous ne trouvez pas, alors bon. Les couleurs Scale 75 sont vraiment bonnes en termes de teinte, oui, tout à fait. Il y a tout, il y a un peu de tout, donc. Allez, je vous écoute, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Moi je le sais, mais vous, est-ce que vous le savez? Le regarder, prendre un pinceau, ouais, bon alors voilà, bon, ok, c'est bon, j'ai un pinceau. Qu'est-ce que je fais après? Les éclaircies, autant se tromper. Bah oui, tu t'es trompé, Atlas. Le visage, oui et non. Allez, n'hésitez pas. Les ombres, bah les ombres, oui, enfin oui et non, mais... Elles sont déjà présentes, mon zénital est fait. Le socle, perdu mes Faust. Tu es très froid mes Faust. Espèce de pierre. Oui, non, le socle, je pense que ça sera dans les dernières choses. Teinter l'ensemble, non plus. La couronne. Oui et non. Bon, je vais vous aider. En fait, je vais redéfinir en partant du haut mes zones. Parce que là, tout est de la même couleur et donc ça me permet pas trop de lire ou en tout cas de comprendre ma figurine. Puisque la couronne est de la même couleur que le visage de celui-là est de la même couleur que de celui-là, le bras de là est la même couleur alors que c'est pas le même personnage, etc., etc. Donc je vais redéfinir mes zones, donc ça veut dire que je vais retinter, par exemple ses cheveux, je vais retinter la couronne, je vais teinter la peau du premier personnage, puis la peau du deuxième personnage, où je vais laisser l'un, etc., etc. Donc je vais redéfinir ma figurine, parce que là pour l'instant elle est un peu fouillie, on comprend rien, on sait pas qui est qui fait quoi, quelle couleur et quel truc. C'est un peu une lumière globale, totale, mais qui ne permet pas de lire ou de mieux comprendre la figurine. Donc, séparer les matières. C'est un peu ça, séparer les matières. J'avais dit teinter. Alors, oui et non. Oui et non, oui et non. Donc, du coup, pour ça, je vais choisir des couleurs. Donc, par exemple, pour les cheveux, je vais prendre du Ténébrous Grey. Donc, c'est un gris noir très foncé, légèrement rougeâtre, qui va me permettre de garder comme ça les teintes de rouge dans mes cheveux. La couronne par exemple, elle, donc là j'hésitais, à vous de me dire, est-ce que, d'après vous, est-ce qu'il a une couronne en or ou est-ce qu'il a une couronne dans une matière un peu plus classique, je veux dire genre pierre, genre fer, vieux fer, etc. C'est quoi mon pinceau là? Je sais pas, c'est un taille 4. C'est un Kohinoor. Mais j'ai le même en Da Vinci, enfin bon, là c'est celui qui m'est tombé sous la main. Donc oui, plutôt or ou plutôt autre chose. En bronze patiné, ouais. 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 Alors justement, ce qui m'inquiète avec l'or, c'est que ça va rentrer en contradiction avec le rouge, et j'aimerais que le rouge reste la couleur dramatique de la figurine. Donc moi je préfère, je pense qu'il serait plus judicieux de le faire dans une espèce de métal, un métal un peu sombre, un peu etc. Quitte à donner à certains endroits, on va dire un petit peu d'éclat, plutôt que d'aller, on va dire dans de l'obsidienne. Alors ça pourrait être ça, oui, ça pourrait être de la pierre, bon voilà. En glace, non, trop, ça marcherait pas, je sais pas, je le sens pas, hein. En tout cas, on peut pas le faire de la même couleur que la pierre qui sera en bas, qui sera assez foncée, mais avec l'étoile à l'intérieur très, très rougeoyante, mais bon. En lapis lazuli, pourquoi pas. Oui, je suis d'accord, ça serait assez ton sur ton. Donc, enfin bon. Pour les vampires, en général, on a deux choix. Soit ils ont les cheveux noirs, soit ils ont les cheveux blancs. Là, je me dis que blanc, ça risque de... Voilà. Ou alors, il faut effectivement que je fasse ma couronne très... très sombre, de façon à ce qu'on puisse avoir un vrai jeu de lumière et qu'on puisse vraiment détacher les zones. Alors que si je lui fais des cheveux assez foncés, bon bah ça va contraster avec la couleur de peau très pâle. En blouge, non. J'ai entamé une tablette de Suchard pour tenir le coup. Ah bah deux alors, hein. Non, faudrait deux. Bon, je vais déjà poser mon Ténébrous Grey dans les cheveux et on va voir ce que ça... Oui, mais alors en vert, elle n'est pas assez transparente pour ça. Donc, alors, sur ma palette, yes. Donc, je pose mon Ténébrous Grey qui, vous allez le voir, quand je vais le diluer, va devenir très légèrement rouge. Un peu violacé. Voilà. Et donc, on va faire un test. On va prendre. Hop. Et donc là, avec une couleur très diluée, je vais venir repasser comme ça sur toute la partie chevelure, juste pour marquer la différence entre mes couleurs et mes zones. Mais encore une fois, je suis très dilué, hein, donc ça me permet de garder et de profiter, on va dire, de mon zénital, tout en marquant comme ça, eh bien, les cheveux d'une teinte. N'hésitez pas à queener, hein, quand je suis hors du cadre, parce que là avec ce setup là, puis en plus comme la figurine est vraiment très grosse, et eh ben c'est pas toujours très simple. Donc là vraiment ma peinture est très fluide, donc j'ai aucun problème à la guider, à l'emmener, on va dire, dans mes zones. Un peu trop de bordel là. Du coup, voilà. Hop. Donc j'y vais comme ça, très doucement, mais très sûrement. Et je reprends, eh bien, chaque brin de cheveux. Et je fais quoi? Recadre un peu. De quoi? On recadre un peu. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc bien évidemment, bah, j'essaye de pas oublier deux zones, parce que sinon c'est chiant. Mais normalement, ça devrait permettre, eh bien, de profiter pleinement du zénital, de faire un peu comme un lavis, c'est-à-dire de récupérer toutes les petites striures dans une couleur, eh bien, plus foncée, tout en ayant, eh bien, des couleurs claires aux endroits où le zénital est très clair. J'évite de repasser, on va dire, sur mes zones, parce que sinon ça fait deux couches et du coup c'est plus la même couleur. Donc vraiment j'ai fait je prends un brin de cheveux et je l'emmène jusqu'au bout. Et très important, je pousse ma peinture, on va dire, dans le sens, eh bien, de mes cheveux. Je le fais pas en diagonale, je le fais pas arbouse-poil, parce que sinon l'endroit où je vais laisser plus de peinture, ça va être aux jonctions entre mes coups de pinceau, et bah, du coup ça va être dégueulasse. On a l'impression qu'il va avoir différentes teintes de cheveux. Hop. Donc on voit quand même que au niveau de mon zénital, on va dire, par exemple, il y a des cheveux qui sont légèrement plus rouges. Donc ça m'arrange, j'aime bien. Je repasse comme ça juste à certains endroits pour reprendre un peu la couleur sur les pointes. Ou là, j'avais un trou, j'ai oublié. Je reprendrai comme ça au-dessus tout à l'heure dans renforce là un peu les séparations. Donc là c'est presque du poil à poil, mais entre les poils. Ok, allez, on continue là. Hop. Pas très facile d'accès, mais on va y arriver quand même. N'hésitez pas à me transmettre les commentaires, hein, s'il y en a. Oui, mais c'est tout calme pour l'instant. C'est tout calme? Oh, bah alors. Calme. On y est presque. Ma transition avec mon zénithal de violet et de rouge se fait très bien à cause de cette couleur. Je reprends juste quelques endroits que je trouve un peu trop palichons. Et du coup on va passer, eh bien, à la chevelure dans la couronne. Allez, on va forcer un peu le trait dans l'ombre, parce que c'est l'ombre hein, quand même. Donc on va passer une deuxième couche du côté ombré. Pareil, une couche fine, on va quand même garder notre zénithal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent tous ? Donc là c'est parti, coucher le petit, ok. Quelques cheveux longs, un peu comme Gollum, ça fait bien vampire. Oui, pourquoi pas. Masked nous dit qu'apparemment, pour polluer le chat, faut avoir bu comme Hervé. Faut avoir bu comme Hervé? Oh bah quand même. Pas parce que Hervé boit du rhum que qu'il pollue le chat. Et d'abord, est-ce que le rhum, ça pollue vraiment? C'est un point de vue, ça. Le rhum, ça pollue vraiment, vous avez 3 heures. Voilà, c'est ça. Est-ce que le rhum pollue vraiment ou pas? J'espère que vous voyez bien ce que je fais, parce que c'est pas très facile. Mais... commencer à travailler les ombres ici. Donc, du côté des ombres des cheveux, mais pas du côté de la lumière. Et on retire, et on renforce un peu les creux, mais on verra qu'on va les renforcer encore plus tout à l'heure. Tac. Pareil, pas mal tout ça. Zou. Bon, déjà, on va dire, il a quand même une, il a une chevelure. On va dire qu'il n'est pas sa peau. Donc déjà, c'est pas mal. Allez, on va s'attaquer à la couronne et je vais partir sur un Ash Grey pour faire exactement la même chose. On pourra mettre un peu d'oxyde, oui, pourquoi pas. Allez, un Ash Grey. Et donc, on va garder comme ça eh bien, nos teintes de notre zénitale, mais on va lui apporter autre chose. Part sur une couronne en NMM. De quoi? La couronne, tu vas la traiter en NMM du coup? Bah genre oui. Ouais. Mais en gardant les reflets à l'intérieur, puisque ben il faut que ça participe à mon ambiance dramatique, la couronne aussi. Mmh. Donc on a si la Atlas et Masked qui veulent tous de l'oxydation. Ok. Est-ce que vous avez des problèmes pour faire l'oxydation, les gars ou... Et je s'appelle du pied, tu sais. D'accord. Ouais, ça serait bien que tu fasses ça, parce qu'en fait, on ne sait pas comment le faire. Oui, voilà, c'est ça. Il va nous donner une calice tout oxydée dans quelques semaines. Oh bah non, normalement elle n'est pas vraiment oxydée. Hein. Donc là vous voyez en passant juste mon jus de gris là comme ça, je modifie la teinte mais je garde tous mes violets, je garde tous mes rouges, mes bleus, enfin bon, etc. Donc c'est quand même très pratique. J'ai pas vraiment de notion de ombre-lumière, puisqu'il y a tellement de volume, enfin, côté ombre, côté lumière, il y a tellement de volume que de toute façon la lumière va complètement danser sur la couronne. Du coup on me demande quel gris tu utilises là. Un ash grey. Pas trop d'être très à l'aise pour faire ce que je veux faire. On est bien biscornu ça. Bon, voilà, on a une petite différenciation entre la couronne qui va être beaucoup plus brillante après et la chevelure, hein. Là je vais prendre un noir de chez Noir. Hop. Et je vais doucement, pardon, hop. Pareil, peinture très diluée, et surtout vu que c'est du noir. Voilà, très diluée. Et là par contre je vais revenir reprendre le regard, les yeux, pour donner une intensité au regard. Donc je noie l'orbite, je fais le dessous de l'œil, pas trop mais un peu, voilà, juste ça, voilà. Je vais aussi avec ce même mélange dilué revenir reprendre dans la commissure des lèvres, enfin dans les lèvres, et au fond des narines ainsi que des oreilles. Voilà, pareil pour son petit camarade. Donc on va reprendre juste les yeux comme ça, hop, au fond des narines, dans la bouche, histoire de bien séparer la langue des chicots. C'est pas une fois que j'aurai tout peint le reste que je pourrais aller remettre du noir tout au fond. Donc voilà. Ok. Allez. Petite séparation sur les dents là. Histoire de dire. Ok. Bien. Alors, le tissu. Le tissu qui est là, de quelle couleur je pourrais-il le faire? Alors, ça va dépendre surtout de quelle couleur je fais la peau de l'autre qui fait plus zombie hein, que vampire. Donc je pense que lui il va être un peu plus verdâtre. Donc lui on va le verdifier. Alors, verdifier, j'avais pas prévu cette couleur là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour le verdifier? Atlas te propose un cuir bleu. Un warm grey. Un warm grey. Alors. Même si tu utilises un cuir bleu, faut sous-traiter quoi. Tu peux pas le faire toi-même. Ah bah non, c'est trop compliqué. Ouais, bon, ben on va le warm grey. Allez. Un gris chaud. Voilà. En espérant que ça passe. Allez. Hop, donc pareil. Très dilué. Alors on va faire un test là. Pas mal. Allez. Donc là, le but est juste de colorer légèrement. Hein. Pareil, je profite de mon zénital. Donc ça va ombrer, on va dire, à certains endroits. Mais Faust propose un jaune délavé pour le tissu. Un jaune délavé, ouais, pas, ça va apporter beaucoup de lumière, même délavé. Je pense qu'il va plutôt avoir un tissu dans les rouges violets. Je vais laisser les petites pustules, enfin les pustules relativement tranquilles. Je travaille juste la peau autour. Voilà, hop. Je pense que c'est ça, il l'aime pas parce qu'il a trop de pustules. Ah, monsieur Arlequin qui nous rejoint. Salut Guillaume. Ah, je parle de pustules, c'est pour ça. Ouch. Alors Atlas te propose du rouge violet, Béné surenchérit en disant vive le violet. Ouais. Ah j'ai cru qu'il y avait... Non pas un rouge violet, un violet rouge. Non, non. Basket qui te propose du bur qui tire sur le marron. Mais bon, sur son message d'avant, il proposait du fluo, donc. Ah ouais. Carrément. C'est peut-être un peu... peut-être un peu excessif. Le... Guillaume te dit, tiens, tu peins ma voisine ce soir. Oui, c'est ça. C'est, ben, elle est venue exprès, on lui a tiré le portrait, et du coup, eh ben, voilà. Ça donne envie, Guillaume, dis donc. Hein, on est d'accord. Hein. Bon, l'histoire que ça soit lisible au début. Je fais tout. Voilà. Je booste comme ça progressivement, on va dire, ma couleur. Sachant que plus je vais être dans mon bleu ciel, plus ça va ressortir forcément. Alors là, on va aller chercher l'arrière du crâne, ça va être complexe, mais bon. Tac. On dirait qu'il est en train de l'arracher de lui-même en fait. Presque. J'essaye vraiment de travailler sur ma transparence pour bien récupérer, on va dire, mon zénital. Just Take qui nous rejoint. Salut. Là, je booste un peu mes zones. De pleine lumière. Scylla nous dit qu'on dirait une armure d'Elden Ring, celle avec la tête qui ressort dehors, mais en pourri. C'est un peu ça. Enfin, ça ressemble un peu à ça. Bon voilà, ça nous donne déjà un peu quand même une lecture un peu plus claire de la pièce. Donc on va prendre maintenant le violet, je vais prendre un purple de chez AK. Hop. On va booster comme ça. Eh bien, le tissu. Alors après il y a une espèce de ceinture qu'on va vraisemblablement travailler au noir, histoire de... Allez. Bien marqué, histoire de bien marquer la taille. Toc. Ah, Hervé est de retour. Ah. Je me disais bien, il a demandé un live sur les sur un buste, il n'est pas là. Il trouve que c'est beau. Bah alors Hervé, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que quand on n'est pas habitué. Ah oui, hein, ça surprend. Là, je noircis petit à petit toute la ceinture, ainsi que les espèces d'éléments, on va dire, ornementation un peu lame ou je ne sais pas quoi là qu'il a comme soutien de ceinture. Là. Hervé te demande si c'est pas trop dur à peindre. Non, ça va, ça se peint. Après, c'est plus dur qu'une petite figurine, oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Hi. J'aurais dû commencer par ça, mais bon, tant pis. Yep. Ok, donc déjà, au niveau de nos séparations, on va dire notre figurine, elle est un peu plus claire à comprendre. C'est pas fini, mais au moins... on y voit un peu plus clair. Et bah, bonne nuit, bonne fin de soirée, Scylla. Salut, Scylla. Alors, Guillaume nous dit que c'est pas son genre de figurine. Oui, bah ça... c'est particulier comme figurine de toute façon, les vampires. Hein. Tout le monde peut pas aimer. Hein. Mais bon, faut tout montrer. Hein. Bon, Skate Painter a soif, donc il est parti dans son frigo. C'est encore autre chose. Béné nous dit que déjà en quelques coups de pinceau, ça a de la gueule. Mmh. Ouais, mais Béné, t'es pas objective. Hervé dit que déjà avec la sous-couche, ça donnait bien. Oui, mais bon. Le but, c'est d'aller un peu plus loin que la sous-couche quand même. C'est pas un de tes prochains stages, ça? Et après la sous-couche, on fait quoi? Pas tout à fait. Mais pas loin. Et surtout le prochain stage, c'est les couleurs. Les couleurs. Le choix des couleurs, l'harmonie des couleurs, comment travailler les couleurs pour avoir quelque chose d'intéressant sur notre figurine. Sur une figurine. Bon, et ben moi je trouve que c'est pas mal. Au moins les zones sont bien. Les zones sont bien différenciées, on a bien les deux différents personnages. On a gardé la peau comme ça, très bleutée sur le vampire. Moi, ça me convient parfaitement bien. Je vais retravailler. Donc là, je vais reprendre mon Ténébrous, mais pas trop dilué cette fois. Hop. Et je vais venir, j'irai caresser la pierre comme ça, pour essayer de garder tous les creux. Hop. Un peu plus clair. Les brousse qui, rappelons-le, est la meilleure couleur de chez AK. Oui, tout à fait. J'en mets une palette dans le jardin. Une seule? Ah, je suis déçu. Donc je reprends comme ça. Hop, et puis je vais reprendre un peu, mais pas complètement. Alors attends, est-ce qu'on a des questions intéressantes? Justaid qui te demande, quand tu peins un buste, est-ce que tu as une autre approche que si tu fais une figurine de jeu? Oui, dans le sens où si je peins un buste, j'essaye déjà de définir mes zones avant de commencer à travailler, on va dire, mais vraiment à fond chacune des parties, parce que sinon ça devient vite le bordel. Et si tu travailles pas au global d'abord, t'es vite embêté dans les détails, parce que du coup ils se tiennent pas ensemble, etc. Alors que si tu travailles un ensemble d'abord, bah du coup c'est beaucoup plus facile, quoi. Donc là c'est ce que je fais, je travaille des grandes zones, histoire de délimiter des zones. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler plus finement, plus sereinement, on va dire, sur mes détails. Béné a hâte de voir les dates de stage de printemps, car les derniers à chaque fois, elle bosse. Oh, Béné, tu le fais exprès. Cette idée aussi de travailler, hein. Allez, on va mettre un peu d'ombrage là, hop, juste histoire de... Là, je pousse mes pigments, je les emmène, et puis je viens mouiller, dégrader, on va dire, ma peinture. Tac. Allez, pareil. On booste un petit peu, hop, avec le Ténébrous dans les ombres, juste pour accentuer un peu les ridules, les creux, etc. Ah. Toc. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez déjà comme ça? C'est beau. J'aurais bien fait le fond. Bah vas-y, Francis. Mais le Hulkbuster, c'est une semaine. Hein. Ça me fait pas peur. Oui, je sais, tu l'as déjà fait, mais... Comme dirait l'autre, bon... Bon, eh ben au moins on a toutes nos zones. Je trouve que ça booste pas mal. Je fais quelques petits correctifs par rapport à ma lumière. Hop. Là, on va ombrer un petit peu. Hervé nous dit item pour moi avec Iron Man. J'imagine qu'il parle du Hulkbuster aussi. Oui, c'est ça. Voilà, ça s'est boosté. On va rebooster un petit peu ici. Ok. Allez. On va reprendre un petit peu de notre noir. Un petit peu dilué quand même. On va reprendre les zones d'ombre et bien de notre couronne. Donc, alors, ben l'ombre elle est de ce côté-là. Alors Nico, Masquette te demande, c'est quoi ton prochain MCP? Mon prochain MCP, je sais pas, peut-être le nouveau Logan. Ouais, le nouveau Logan ou alors le nouveau... comment il s'appelle Ah, le nouveau... Merde. Celui qui est avec le nouveau Logan, le nouveau Dent de Sabre. Avec le décor? Point d'interrogation. Non, pas avec le décor en tuto, non. Il en faut toujours plus. Ah oui, c'est clair. Hein. Une erreur sur ton site, sur le stage Hulkbuster, c'est marqué 2 jours. Sur le Hulkbuster? Attends, je vais regarder. Du 4 au 5 mars. Ah oui, alors attends. Oui, mais c'est parce que Hervé, il parle pas du même stage. C'est un stage où il n'y a que lui. Alors attends. Hop. Alors, attends, je suis sûr qu'on parle bien de la même chose. Orstitoff nous dit, je crois bien que je suis tout seul sur le stage, il faut plus de monde avec moi, sinon Nico, il aura que moi pour se défouler. Ouais, c'est pas faux. Alors non, celui du 4 et 5 mars, effectivement, c'est que sur le NMM. Donc le NMM couleur, le NMM machin, mais que sur le NMM. C'est pas vraiment tout le Hulkbuster. Parce que déjà, bon, voilà. Mais effectivement, celui-là, c'est 2 jours. Celui de Hervé, c'est 5 jours. C'est la même figurine, mais on va juste la pousser un petit peu plus, quoi. Et puis en plus, je crois qu'on n'a pas encore défini les dates avec toi, Hervé, pour ton stage, toi. Donc bon, même si effectivement, oui, mois de mars, probable. Donc bah après, ça dépend, toi, Hervé, si tu préfères celui-là ou le plus long, quoi. Hervé, Francis. Je vais y arriver. Et pour répondre à Worstitoff, moi personnellement, j'ai fait le stage tout seul avec Nico pendant 2 jours. Ouais. Ça te change un homme. Il s'en souvient encore. Enfin, ses fesses s'en souviennent encore. Attends, parce que j'ai perdu plein de questions, du coup. Justement, ce week-end-là, moi, je suis pas dispo. De quoi? Ce week-end-là, t'es pas dispo? Ouais. Ah, bah alors, sinon, ça tombe bien, parce que ça risque d'être un peu plus tard, Hervé. Que voilà, sinon le week-end, je me serais déjà inscrit si c'était... Bon, bah là, c'est quelle date qui t'intéresse? Que je vois si j'ai de la place déjà, parce que si ça se trouve, j'ai pas de place. Attends, donc 4 et 5 mars, c'est là. Après, moi, j'ai 18-19 mars. Et puis sinon, ouais, fin mars. Ça se discute. Ça se discute. Ouais, mais avec qui? Avec moi-même. Avec toi-même? Ah, mince. Ouais, c'est le plus dur. Bah oui, c'est comme ça après qu'on passe pour un fou, quoi. Ouais. Les autres, ils te voient discuter avec toi-même et ils disent, bon, bah celui-là, il est pas clair. Ah, surtout que l'autre, il est un peu con sur les bords, donc. Ouais, bah ouais. Ouais, mais là, tu cherches, là. Allez, on fonce un peu les creux. Du côté de nos ombres. Tac. Et voilà. Bien. Donc je me demande si lui on va pas le... Alors. Oula. Il devait y avoir un passage de doigt là. Tout ça, c'est un jeu d'équilibrage, hein, de toute façon, c'est assez... Comme je travaille plus au global que au détail, c'est vraiment... Je cherche une balance globale qui va venir me permettent ensuite d'apporter du détail. Mais en tout cas là ça me semble plutôt pas mal. Moi je veux apprendre comment rien faire. Ah oui, ça c'est plus dur. Basket Painter a une question. Eh bien pose-la. Vas-y, nous t'écoutons tous. Le moi, le surmoi et la chambre de bonhomme. C'est quoi le stage fin mars? Ben fin mars, a priori ça risque d'être le Hulkbuster avec Hervé. Donc d'ici mai je serai tranquille et Shatterpoint sortira. Non, au mois de mai non, Shatterpoint sera pas fini. Sera pas sorti. Enfin. Ouais, bon. Je te vois venir, petit voyou. Du 20 au 25 février. Oui, mais ça n'empêche, Hervé. Ça n'empêche. Bon, on attend la question, hein, Masquette. On dit qu'il faut contraster les petites figurines. Est-ce que ça veut dire qu'il faut décontracter les bustes? Non, c'est pareil, faut les contraster aussi. En juin, mais en mai, j'aurais fini ce que j'ai à faire, disons. Ah, d'accord. Aujourd'hui, j'ai vu pour Chatumpen qu'il y avait une boîte avec Ahsoka toute seule dans une pose alternative. Alors oui, c'est une figurine alternative, mais qui va être réservée uniquement aux boutiques pour la précommande. Et on ne sait pas si en France on pourra l'avoir ou pas. J'ai posé la question. On verra. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Quelle heure il est là? Ça va. 22h19. Alors, on va encore y passer une petite demi-heure, hein, histoire de. Donc je pense que je vais contraster un peu plus, on va dire, certaines zones de ma couronne. Donc pour ça, je vais les éclairer. Donc comme j'étais à la base sur un reddish grey, et eh ben je vais passer sur un neutral grey, si je le trouve, ou un neutral grey. Histoire de booster un petit peu certaines lumières. Est-ce que tu as posé la question pour la Belgique aussi, demande Just8. Alors, non, parce que je ne sais pas... Enfin, en fait, je pense que la Belgique, si tu veux avoir le jeu en allemand, il faudra voir ça avec Asmodé Allemagne. Et si tu veux avoir le jeu en français, ça sera Asmodé France. Donc moi, je pourrais te donner une réponse par rapport au français, mais pas par rapport à l'allemand. Ouais, c'est vrai que tu m'avais dit que le jeu serait pas distribué en Belgique de toute façon. Fouteux de merde. Fouteux de merde. On vient de perdre, j'essaye. C'est ça. Il vient de faire un AVC. Ah, dommage, c'était un infarctus, j'ai tous les médocs pour. Ah, fuck. Alors, voyons voir si quand je booste, est-ce que ça booste la lumière ou pas du tout. Parce que je voudrais voir que ça va donner quand ça va sécher. Et donc, Just8, il le prendra en français. En français, donc bah, dès que j'aurai la réponse, je pourrai te dire si oui ou non on pourra la commander en France. Pour l'instant, je ne sais pas, malheureusement. Mais c'est à ma connaissance, en tout cas, la seule figurine qui va sortir en individuel. Toutes les autres, on va dire, sortiront dans des boîtes. Donc voilà ce que je peux en dire en tout cas. Donc je booste mes lumières en reprenant avec mon neutral grey. Hop. Patrick Auré, bonne soirée à toi, bonne nuit du coup. Salut Patrick. oui, c'est l'heure. Je reprends aussi en lining comme ça toute la couronne. Toutes les petites arêtes. Même si je suis pas dans ma lumière. Ça va me permettre de booster ma future lumière. Ok. Tac, allez, on va aller travailler les cheveux à l'intérieur là, parce que sinon, quand je vais reprendre mes... C'est hors cadre, Nico. Oui, oui, je sais, mais là, c'est juste pas possible. Ok. Donc je rebooste un peu mes cheveux. C'est prévu pour quand la formation peindre hors cam? De peindre hors cam? Alors ça c'est pas besoin de formation, hein. C'est un don que tout le monde a de façon innée, hein. Tac. Ok, alors, ok, donc on va pousser, on va venir prendre un gris plus clair, un pale gris, c'est ça, on va voir ça quelque part, ou non, tiens, on va la verdir, on avait dit. Allez, je vais aller mélanger mon gris avec un greenish white, et je vais comme ça booster petit à petit, et bien la couronne. Voyons voir ce que ça va m'apporter. Hop. Je travaille par petites couches, histoire de bien respecter le sens de mon zénithal. Alors, Masqued nous dit, en parlant de Shatterpoint, sur une chaîne concurrente que je regarde, pas parce que je ne regarde que Nicoprime TV, mytho, certaines personnes avaient peur que le jeu s'essouffle par manque de méchants. Bah non. Enfin, après, ils pensent ce qu'ils veulent, hein, mais... Tu sais, regarde MCP. MCP, au final, t'as beaucoup plus de, j'allais dire, de gentils que de méchants. Hein. Est-ce que le jeu s'essouffle? Moi, perso, j'ai pas l'impression. Mais bon. Après, tout le monde croit ce qu'il a envie de croire. Comme en plus, de toute façon, c'est un jeu où tu pourras mixer les gentils, les méchants, les machins, enfin un peu comme pour MCP. Je veux dire, enfin, pour moi, c'est un faux débat. Après, si tu veux jouer, oui, 200% fluff, peut-être que, voilà, mais et même comme ça... Je vois pas en quoi ça pourrait freiner la chose. Là, ce qui me dit que de toute façon, là j'attends la préco de Shatterpoint avant d'acheter quoi que ce soit d'autre. Oui, dit le mec qui vient de recevoir du Big Child. C'est pas pareil, c'est de la peinture, c'est pas du jeu, tu vois. Non. Ça compte pas. Voilà. Masquette te demande, d'ailleurs dans Shatterpoint, est-ce qu'on peut s'attendre à voir aussi des personnages des films? Qu'est-ce qu'il entend par des personnages des films? C'est à ce moment-là que je dis que j'ai plus aucun des Star Wars. Ouais, mais... Donc du coup, je sais pas de quoi il cause. Non, mais qu'est-ce que tu entends par des personnages des films, parce que bah, c'est tous plus ou moins des personnages des films, hein. Ok, les Clone Wars, par exemple, je crois, comment elle s'appelle, Asajj Ventress, on la voit pas dans les films, mais elle fait partie de l'histoire quand même, quoi. Donc, Alors attends, parce que t'es assis, Nico, là. Oui, t'es assis, je te vois en même temps. Ouais, ouais. Hervé nous demande dans Discord, c'est où qu'on met les photos? J'ai bien une réponse, Hervé, mais ça va pas. Oh, oui, non, moi non plus, j'ai bien une réponse, mais ça qui parlerait d'une certaine partie de ton anatomie, mais dans n'importe où. Dans la section vos figurines, c'est mieux quand même, mais ça dépend ce que tu veux montrer. Alors Nico Atlas demande question, si tu peux répondre avec des grosses parenthèses. Pour les précommandes Shatterpoint, y aura-t-il que la core box ou plus? Ah non, en précommande, tu auras la core box, les décors, les deux premières bandes là, donc Dooku et puis Dooku et Obi-Wan, les réglettes, les dés, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Non, bah c'est ça, la core box, les deux sets de décors, les deux bandes, les dés, les réglettes. Donc la réponse c'est il y aura plus. Atlas, prépare ton chéquier. La réponse B. Atlas, il a acheté du Big Child parce que c'est son anniversaire dans 2 jours. Ça va. Ah ouais, c'est une excuse, quoi. C'est ça. Masquette te répond et te dit c'est très orienté Clone Wars. Oui, mais ça n'empêche pas. Donc, parce que dans Clone Wars, je veux dire, on retrouve tous les personnages qu'on retrouve dans les films. Donc, au final, c'est pour ça ta question, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, quoi. Est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à voir un Jabba, une princesse Leia, un Han Solo? Bah, je dirais que pour 2 des 3 que tu viens de citer, oui, c'est sûr. Pour le 3e, je ne répondrai pas. Donc maintenant, tu te débrouilles avec ça. L'enfoiré, tu sais. Allez, on est reparti sur la phase lining. De toute façon, enfin, des sorties pour Shatterpoint, il y en a tellement de prévues. Je veux dire, tout le monde sera content. Alors, je sais pas s'il parle du prix, mais du coup, Atlas dit ça fait plus de 400 du coup pour mi-février ou fin février. Si tu prends tout, oui. Mais alors, honnêtement, enfin, prendre les 2 sets de décors, pour moi, au tout début du jeu, ça a aucun intérêt. Tu peux en prendre un supplémentaire, oui, pourquoi pas. Il y en a un qui est vraiment différent, mais voilà, prendre les 2 au tout début, si tu vas pas, entre guillemets, hard-tryer le jeu, bon, pour moi, c'est pas, ça me paraît pas essentiel. Par contre, ouais, prendre les deux Obi-Wan et Dooku, bon, ça, d'accord, je veux bien comprendre. Prendre le set 2D et les réglettes pour jouer à 2 joueurs, pourquoi pas. Bon, prendre la core box, ça me paraît une évidence. Est-ce qu'on peut imaginer que Nico fasse un tapis de Shatterpoint avec notre ami Torek? On peut imaginer, oui. On peut même totalement imaginer. Peut-être même que c'est déjà fait. Et puis peut-être même qu'il n'y en a même pas que un. Mais peut-être même que je peux pas tout à fait le montrer parce que, ben voilà, c'est encore confidentiel. Ou pas, tiens. Ou pas. Est-ce que je pourrais... Allez, juste pour histoire d'un live. Au pire, je pourrais le supprimer après dans dans la rediff. Ça tease. Ouais, mais là si je vous le montre maintenant, il y a tout le monde qui va sauter sur la capture d'écran. Donc, eh ben, peut-être je vous le montrerai, mais à un moment où vous y attendez pas. Hein, c'est pas mal ça. Et peut-être que le tapis est gris avec des lignes parallèles dans tous les sens et que tu peins dessus depuis. Alors, non. Moi, je les aime. Excuse-moi, quand même. J'ai un peu de fierté et non. Je fais ce que je peux, hein. Ah oui, oui, non, mais. Bon, moi, je pousse tranquillement mes petits détails sur ma couronne. N'hésitez pas à me dire si je fais de la merde. Hein. Parce que, bon, non, mais là, le problème, c'est que t'en as trop dit et il y en a 3-4 qui se font plus dessus. Donc, il y en a 3-4 qui se font plus dessus. Ah, je peux donc, vous dire qu'il y aura... en fait, il y aura même 3 tapis. Quasiment dès la sortie. Un qui, peut-être, est assez logique. Un autre qui en découle un peu, et puis un autre qui est pas du tout logique en soi, mais qui va être vraiment sensationnel. Et les amoureux de Star Wars s'y retrouveront. Ah, c'est moi ça. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est toi. Surtout amoureux. J'en ai trop dit. Puis quoi encore? Si j'en disais trop, c'est là que vous sauriez tout. Pas l'inverse. De toute façon, tu n'as pas vu un Star Wars et ça me choque, ouais. Et j'assume. Non, j'en ai pas vu un, j'en ai vu 2. J'en ai pas vu 2. J'en ai pas vu 3, j'en ai pas vu aucun. Voilà. Non, si, j'ai vu les 3 quand on était gamin. Ah oui, les 3 tout premiers. Les 3 tout premiers, j'ai vu cela à la télé. T'as vu les vrais, quoi. C'est ça, je me suis arrêté là parce que... Parce que justement, c'était les vrais. Bon, comment ça sort à l'écran ça? Eh ben, on pourra en parler après, mais parce que ton live, du coup, je le regarde sur 2 écrans en même temps, je le regarde 2 fois le live, et ben ça sort beaucoup mieux sur YouTube. Sur YouTube? Ah oui, bah c'est normal parce que tu es un 720p sur l'autre. C'est ça, 720p, alors que l'autre 1080 et en 60 et en 30. Sur YouTube, c'est beau. Bon, par contre, ouais, on va peut-être lui... Parce que... On va peut-être booster les ombres. Un peu plus. La Star quoi? De quoi? Star quoi? Ah bah oui, Star quoi? Ça existe ça? C'est quoi ça? Atlas te demande, question, la figurine alternative ce serait juste pour la préco de la Corebox? Oui. Si j'ai bien compris, oui. Et bonsoir Francis Drasgoul. Hello, hello. Donc là je booste un tout petit peu mes ombres parce que je trouve que c'est pas assez contrasté au global. Donc on booste. Nico Atlas dit bon, du coup, sans les décors, ça me fera des économies en prenant tout le reste. Bah voilà. Atlas qui a une révélation. Je ne me lancerai pas dans Shatterpoint sinon, donc s'il n'aimait pas, il y a tellement de Big Child et de Games Workshop. Ah bah ouais, ça... Tu peux t'en mettre d'autres démarques. C'est pas faux. Avec chez Games, en plus, il y a des ultramarines magnifiques avec des grosses pétoires. Ça t'a marqué, ça. Hein. Ah, ça m'a fait rire parce que c'est un débat, si tu veux, qu'on a déjà eu il y a des années. Vis-à-vis les armes sont-elles assez grosses? Non, mais vis-à-vis d'Infinity, les armes sont démesurées, quoi. Sont tellement démesurées. Oui. Ça fait des années que ce débat-là, on l'a eu et qu'on s'est rendu compte que bah, plus c'était gros, plus ça faisait mal. Et plus les joueurs trouvaient ça très moche, mais ils l'achetaient quand même. Quoi. Bah oui. Donc c'est pour ça, ça me rappelait des... Allez, on va... un Nunoil. Un Nunoil. Alors de préférence un Nunoil ouvert. Pas un Nunoil... Voilà, hop. Donc un ancien Nunoil, pas un nouveau, hein, si je traduis. Eh oui. Donc je vais prendre un Nunoil. Hop. Et je vais booster, on va dire, mes cheveux. J'ai pas testé le nouveau, il est vraiment si différent? Il est beaucoup moins puissant en fait. D'accord. Donc, je vais booster au Nunoil tous mes creux dans mes cheveux. Hop. Et puis beaucoup, en fait, là où... Là, tu peux passer qu'une seule couche, faut que tu en passes deux avec le nouveau, quoi. D'accord. Donc, c'est pas non plus... voilà. Mais bon, il y en a moins dans le pot et il faut que tu en passes deux fois plus. Comment dire? Est-ce que ça serait une technique marketing? Le mec qui a trouvé la nouvelle formulation est un génie. Je ne sais pas. Alors, Just Eight nous dit que, pareil pour lui, il prendra tout sauf les décors. Alors, bon, enfin, attention, les décors sont quand même très utiles dans le jeu, hein, je tiens à le préciser. Je dis pas qu'il faut pas, absolument pas prendre les décors, je dirais que si vous voulez économiser, il y a une des deux boîtes qui est plus intéressante, on va dire, que l'autre. Voilà. Francis Drasgoul te demande, est-ce que Nico donne des cours de peinture pour des figurines pour le militaire? Alors, ben, pour le militaire en particulier, non. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais fait pour ça. Maintenant, enfin, je veux dire, que ça soit du militaire ou pas du militaire, c'est la même chose, en fait. Après, c'est juste une question de couleur, de zone, de... Bon, voilà, mais les techniques d'application, en soi, que ce soit pour du militaire ou pas. Maintenant, je suis pas un expert, par exemple pour de l'historique ou des choses comme ça, je suis pas un expert des couleurs. Or, je sais qu'en militaire, notamment en napoléonien, des choses comme ça et tout, ils sont très... très à cheval, on va dire, sur la bonne couleur. Je veux dire, si c'est pas le bleu de Prusse de machin, mais que t'as mis un bleu sans savoir ce que c'était, et du coup ils peuvent te, notamment si tu fais des concours, eh bien te pénaliser, hein. Bon, tous les Prussiens peint en ultramarine blue. Oui, voilà. Enfin bon, je sais pas, mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Vu l'heure, on va peut-être pas tarder à s'arrêter. Et puis on continuera lundi prochain. Peut-être entre-temps, je vais pousser, moi, certains détails sur peut-être ma couronne, etc. Ou refaire avec le même principe. De rien, Dasgoul. La vieille garde en blouge, ouais, exactement. Hervé, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Oula, il y a des sauts d'images. Ouais, je les ai eu aussi. Incroyable. Incroyable. Pourtant, ah bah pourtant il me dit rien cette fois. Moi, Ika le saoule un E, je t'avoue. Mais c'est les derniers que je prends. Là, ça enlève ta tête de ton clavier. Ouais. C'est beau. Bon, bah attends, c'est pas fini encore, hein, mais... Et puis bah, la prochaine fois, je pense qu'on travaillera beaucoup plus la peau là, et puis la peau du personnage. Et puis quelques petits rayons en rouge pour que vous puissiez voir comment on fait péter le dramatisme. Et je pense que ça sera très très cool. Bon, allez, donc à moins que vous ayez des petites questions, eh bien, à me poser, auquel cas je me ferai un plaisir d'y répondre, hein. Et alors, attends, tac, toi, tais-toi, toi, tais-toi. Non, c'est pas ça. Ok. Allez. Oups. Je me suis trompé d'image. Ou alors, attends. Ouais, on pourrait faire ça comme ça. Oups. Ah mince, c'est con, on voit pas la droite. On voit pas ce qu'il y a à droite. On voit pas ce qu'il y a à droite. Et en plus, c'est pas la bonne image. Je suis un boulet. Je suis un boulet, c'est pas la bonne image. Voilà, c'est mieux. Hop. Voilà. Par exemple. Ça pourrait être une des choses. Par exemple. Ou alors, on pourrait dire que, allez, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Voilà. Je sais pas. Par exemple, quoi. Parce que... Hop, ça donnerait quelque chose comme ça. Pourquoi pas, par exemple. Oups, désolé. Voilà. Boba. Non, il y a Django qui arrive avant Boba. Oui, c'est ça, Francis. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est Dune. Dune. Bonjour. Salut, Olivier. Je tombe pile poil sur un... Alors, je vois pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de leak. Il n'y a pas de... Voilà. Un astroport. Ah, ouais. Un Mosesley. Peut-être. Ça pourrait être Dune... Ouais. Vu certains types de vaisseaux, justement... Non. Attends, si je... Est-ce que je peux... Alors peut-être pas sur cette image-là, mais... Est-ce que j'aurais peut-être pas la défi... Ouais, quoique... Youp. Mais oui, on va dire qu'il y a certains... certaines choses, on va dire, qui voilà, si je mets ça, c'est difficile de dire que c'est Dune quand même. Je trouve. Skyrim, ça. Hein? C'est Skyrim, non? Oui, c'est ça. C'est Skyrim. Ouais, bravo, bravo. Car je trouve que nickel, pas de problème. Tu auras une médaille Star Warsienne très prochainement. Le suspense. Ah. Star Trek. Bravo DJ Hush. Voilà. Star Trek. Enfin, on y vient. D'ailleurs, c'est l'Enterprise. Non, il est de l'autre côté, l'Enterprise. Ah tiens, allez. Petite question. Attends. Alors là, bon, ça va être bien pixelisé. Bon, tant pis, mais on va essayer. C'est le vaisseau de qui, ça? Vous avez vu quelque chose, vous? L'image a bug. Ouais, bah oui. Exactement, Béné. Galactica, peut-être. Non. C'est le vaisseau de qui? Je vous pourrais, c'est pas facile quand même. Mais il y a plein de petits... J'ai mis plein de petits easter eggs. Un petit peu partout. Donc, chut. Outrider. Tu dis de qui? J'ai pas demandé le numéro du modèle. Allez. Oui, bah oui, c'est vrai, t'essayes de m'aider, mais ou pas, hein. Voilà. Enfin bon. Donc oui, il y aura des tapis Nicoprime pour Shatterpoint, vous inquiétez pas. Spectroman. Non plus, c'est pas ça. C'est pas Spectroman. C'est surtout pour me mettre un peu plus sérieusement aux figurines afin de mettre un peu plus mes maquettes en valeur, car les figurines c'est pas trop mon fort. Bah c'est vrai que peindre des figurines ou peindre des maquettes de chars, d'avions, de machin, etc. C'est pas la même chose. C'est ouais, c'est vraiment pas la même chose. Autant tu peux, j'allais dire, zapper le côté humain, lumière, enfin etc. un peu sur les chars ou sur un avion, etc. Sur un humain, tu peux pas. Alors Nico, ton approche du bus, tes premières sorties. Bah écoute, comme c'est la première fois que je prends un bus de ma vie, n'est-ce pas? Eh ben non, c'est difficile. Hein. Moi je trouve que voilà, il faut arrêter de peindre des bustes. C'est trop compliqué. Il y a trop de zones. Bon, il y a trop de couleurs. Voilà, mais non, c'est cool. C'est cool. Puis, mais quel mytho. Non, quel mytho. Ah bon, ça se voyait. Oh merde. Fuck, je pensais pas que ça se verrait. Hein. Un mirage, oui. Enfin bon. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben il est quelle heure là? Et oh, il est 11h. Hein. Donc je vais pas vous empêcher de vous coucher tôt. Parce que bon, quand même. Hein. De toute façon, on continuera cette figurine lundi prochain. Donc rendez-vous lundi prochain pour la finir, ou entre guillemets la finir. Je vais en garder une partie un petit peu secrète, histoire de faire une surprise, on va dire, quand même un peu à Hervé, hein, mais bon, qu'il ne la voit pas entièrement peinte avant le jour J, histoire de bien lui faire péter les mirettes le jour J, comme on dit. Hein. On va floude. Ah, t'as mis quelque chose sur le Discord, Hervé? Non. Pas encore. Non, non, pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Actor Studio. Ouais. On leur posera la question, mais je pense que je serai pas pris cette année encore. J'aime bien ta pédagogie. Je vais sûrement voir pour prendre un cours avec toi. Alors, bah écoute, quand tu veux, Drascool. Quand tu veux, il n'y a pas de souci. Enfin, quand je peux aussi. Parce que faut qu'on combine les deux, c'est mieux. Hein, quand tu peux et quand je peux. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais avec plaisir. Avec plaisir pour tout le monde d'ailleurs. D'ailleurs, s'il vous plaît, pitié même, hein, parce que sinon je mange pas après moi. Donc bon. N'hésitez pas quand même si vous avez des questions à me poser sur ce buste, bah, à les mettre sur le Discord, hein, bon, etc. Si je peux vous répondre, j'y répondrai avec, bien sûr, avec beaucoup de gentillesse. Et sinon, je vous dirai juste ta gueule, c'est de la merde, voilà. Et puis, comme d'habitude. Hein. Sur ce, on se retrouve quand même demain pour la pause déjeuner eh bien, du jour, hein, du mardi, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dans les news et de traiter un petit sujet du jour comme d'habitude. Hervé a mis 2 photos. Oh putain. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille voir ça tout de suite parce que soit c'est des grosses conneries, soit... Alors, est-ce que... Ma belle table de salle à manger. D'accord. Oh oh Hervé. Pourquoi il y a une pluche de cochon à droite? Avec un nom comme le loup blanc. Donc là, c'est ton espace de travail. Ah, ça va te changer de venir en stage ici quand même. Pas de salle de salle à manger. Pas de nappe. Rien. Normalement, déjà rien que ça, tu devrais faire des progrès. Bon, on verra, on verra. J'ai dit que je serais sage. Tu veux Hervé dans ta team? Ouais, mais... Et, hein, les autres aussi. Les autres aussi veulent Hervé dans leur team. T'as vu l'écran? Oui, j'ai vu l'écran. Oui, j'ai vu l'écran. C'est du live. C'est du total live. On est d'accord. Bon, allez, sur ce, les gens... bonne soirée à tous, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui va bien sous la vidéo, à la commenter, à la partager, à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait, hein. Et puis eh ben, on se retrouve dès demain pour la pause déjeuner. Allez, ciao ciao.